Salut à tous, à toutes. Encore une fois, bienvenue. Après la réalisation de quelques cours vidéo avec les logiciels CIS en comptabilité, gestion commerciale et moi, je suis avec vous aujourd'hui pour la réalisation d'un cours concernant la gestion des prêts dans une entreprise avec le logiciel SASB. Vous savez très bien que CIS, c'est un logiciel de comptabilité qui permet de contrôler la comptabilité générale ou globale d'une entreprise, je dirais comme ça. Mais il a aussi des programmes comme SASB qui, lui, s'occupe ici de la gestion du personnel. Alors, c'est une partie de la gestion du personnel que vous allez voir tout à l'heure en quelques minutes avec moi. Et retenez que la gestion des prêts, pour gérer un prêt, il faut d'abord paramétrer le prêt, il faut d'abord programmer le prêt. Alors, retenez que le prêt, c'est un crédit souvent accordé aux salariés d'une entreprise, remboursable sur une durée. Alors, vous savez très bien qu'il y a plusieurs types de prêts. Donc, il y a des prêts scolaires, il y a le prêt flash, il y a le prêt immobilier, il y a le prêt mouton, il y a le prêt voyage, il y a même le prêt pour le mariage. Mais dans ce cas, rapidement, nous allons ici gérer les prêts scolaires. Voilà, un prêt scolaire. Vous savez que ce prêt-là est souvent contracté ici par les salariés. Alors, comme je l'ai dit, il faut d'abord programmer le prêt. Programmer le prêt, paramétrer le prêt. Bien. Comme le logiciel est déjà ouvert, alors vous devez d'abord venir ici sur le menu liste. Après, vous pointez sur table de prêt. Et là, vous cliquez sur type de prêt. Bien. Et directement, vous allez voir ici une fenêtre de dialogue se présente devant vous. Dans cette fenêtre, vous cliquez sur plus. Et voilà. Comme c'est le prêt scolaire que je vais gérer avec vous, alors vous mettez le code du prêt. Exemple, prêt scolaire. Bien, prêt scolaire. Alors, vous cochez cette option impact sur la paie. Sur la paie, oui, effectivement, impact sur la paie. Alors, après avoir créé le type de prêt, nous allons aussi créer le palier. Toujours en cliquant ici sur le signe plus. Alors, vous savez très bien que le prêt, ici, c'est le montant qu'on accorde. Mais ces montants-là, il y a un taux d'intérêt que les prêteurs ici, notamment les contracteurs du prêt, doivent ici payer. Mais il y a des limites aussi. Ça veut dire quoi? Lorsque, par exemple, on veut accorder un prêt qui est dans la fourchette de 1 million à 10 millions, là, on peut fixer un taux d'intérêt de 5% sur ces intervalle entre 1 million et 10 millions. Et lorsque, par exemple, nous voulons accorder un prêt dans la fourchette de 10 millions à 20 millions, là, nous voulons prélever un taux d'intérêt de 10%. Voilà. Donc, c'est pourquoi ici, vous devez programmer aussi la tranche du taux d'intérêt qu'on appelle ici les paliers ou la tranche de prêt du moins. Alors, on va mettre un code pour ça aussi. Je mets là, par exemple, trans. Taux d'intérêt. Trans taux d'intérêt. Bien. Alors, ce que je vais pour le cas de cette trans, je vais définir une tranche ou une fourchette de 1 million, par exemple, de 1 million à 5 millions. Nous voulons prélever un taux d'intérêt de 5%. Voilà, c'est une supposition. Bien, après avoir ici programmé le palier, nous allons programmer aussi le barème. Le barème, il a toujours un clic sur plus, le code, on met BA
code BA intitulé barème. Bien, intitulé barème. Et là aussi, nous n'allons pas accorder un prêt sur une durée illimitée. Bien, le prêt est accordé sur une durée bien précise. Pour cela, si nous accordons un prêt compris dans la fourchette de 1 million à 5 millions, alors ce type de prêt est amortissable sur une durée de 5 mois. Voilà, c'est un exemple. Elle est remboursable sur 5 mois. Bien. Donc, après avoir aussi programmé le barème, nous allons programmer maintenant l'affectation des barèmes. Et toujours on clique sur plus. Le code, je vais mettre. Voilà. Je vais faire AF, affectation. Et là, je saisis affectation des barèmes scolaires. Affectation. Bien, affectation des barèmes scolaires. Alors, vous savez très bien que vous avez des catégories de salariés dans l'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez accorder un prêt de 100 millions à un ouvrier qui reçoit à la fin du mois un salaire net de 1 million sur une durée de 5 mois? C'est pas possible. Il ne peut pas rembourser. C'est pourquoi chaque fourchette doit être affecté à une catégorie de salariés supposés qu'ils peuvent rembourser ce prêt sur la durée du prêt. Alors, un exemple, nous allons choisir ici la catégorie des employés. Voilà. On suppose que les employés, quand même, on peut les accorder ces prêts et remboursables sur une durée de 5 mois. La barème qu'on accorde souvent ou qu'on peut accorder aux employés, c'est de 1 million à 5 millions. Voilà. Bien, affectation. On cause cette option. Après, on clique sur OK. Bien. Ensuite, on va programmer maintenant l'objet. Bien, l'objet du prêt. L'objet du prêt. Là, je vais mettre. Alors, pourquoi nous voulons accorder ce prêt au salarié? Il faudra que le salarié définisse l'objet du prêt. Il faudra qu'il le précise, l'objet du prêt. Voilà, ça peut être par exemple paiement du frais de scolarité. Voilà, paiement du frais de scolarité. Ah, c'est bon. Ensuite, je vais programmer le motif. Voilà. Lorsque nous voulons arrêter ce prêt, pourquoi nous voulons arrêter? Est-ce que c'est suivant le décès du salarié, suivant son licenciement, ou pourquoi nous voulons arrêter, ou bien suivant le non-respect du paiement? Alors, pour cela, mais retenez que si nous arrêtons le prêt, il y a la garantie hein, qui est en jeu. Mais la garantie, nous allons la programmer tout à l'heure. Ça vient juste après le motif d'arrêt. Mais le motif d'arrêt ici veut nous indiquer pourquoi nous voulons arrêter le prêt. Quel motif? Est-ce que c'est le non-respect du paiement ou bien c'est le décès du salarié ou c'est son licenciement? Parce que lorsqu'il est sorti de l'entreprise, le paiement ne va plus continuer. Donc il faudra arrêter. Donc motif, on va appeler dans mon code. Je peux mettre par exemple retraite anticipée. Voilà, retraite. Retraite anticipée. Donc, retraite anticipée. Motif de retraite anticipée. Alors, là maintenant, on va programmer aussi. Voilà, la garantie maintenant. Parce que quand vous arrêtez, donc, c'est la garantie maintenant qui doit venir en jeu. Qu'est-ce qui est garant? Et retenez que, voilà, au début, je devais vous dire ça. Pour accorder un prêt à un salarié, il y a les conditions. Les conditions, c'est quoi?
Au fait, il faudra présenter ici les bulletins de salaire. Généralement, c'est les 3 derniers bulletins de salaire que vous devez présenter. Ensuite, l'attestation de travail. Donc, c'est un peu les conditions de prêt. Mais aussi, on ne peut pas vous accorder un prêt de 5 millions avec une garantie de 4 millions. Donc, il faudra que la garantie soit supérieure ou égale au prêt. Voilà. Donc, est-ce que c'est la voiture qui c'est votre voiture qui est là comme qui vous envoie comme garantie? Est-ce que c'est votre maison ou est-ce que c'est l'entreprise qui signe la garantie? En tout cas, il faudra la garantie. Et cette garantie-là doit être évaluée en monnaie. Donc, par exemple, on va mettre ici la garantie. On va mettre un code ici. On va mettre un code. Bien, on va mettre un code ici. Quel code, par exemple? Mettre code par exemple. On va mettre code. D'accord. Attention. Je mets par exemple caution. Voilà. Du premier rang. Caution du premier rang. Alors je vous rappelle que tous les remplissages que j'étais en train de faire comme ça. Voilà, j'ai pas le temps parce que c'est pas un cours magistral. Je n'ai pas du tout assez de temps pour vous expliquer en détail. Voilà, tout ce que j'ai saisi, mais je sais que sous la demande, voilà, des personnes qui me regardent maintenant, là vous pouvez adresser votre message, voilà, suivant mon adresse mail ou même me contacter à travers ce numéro de téléphone pour vos besoins dans les entreprises, voilà, en entreprise, bien, car la paie c'est aussi un programme de la comptabilité qui est souvent et c'est très complexe. Donc la paie est très complexe, il faudra traiter le salaire pour ne pas provoquer une revendication, et surtout un comptable doit judicieusement et correctement savoir gérer la paye. Voilà. Bien, donc, question de premier rang. Après avoir évalué ce que le salarié a déposé comme garantie, supposons que nous accordons un prêt. La fourchette de ce prêt, c'est de 1 million à 5 millions. La garantie doit être supérieure. Donc, par exemple, je peux mettre ici 10 millions. Voilà. Après avoir évalué la garantie, sa valeur, c'est 10 millions. Voilà. Alors, voilà, j'ai programmé la paye, j'ai paramétré, voilà, j'ai tabulé la paye, quand je dirais comme ça, après avoir tabulé la paye, maintenant, on va gérer la paye, la gestion des prêts. Alors, retenez qu'il y a deux types de gérer, il y a deux façons ou deux méthodes pour gérer un prêt. Il y a ce qu'on appelle la gestion manuelle ou la gestion automatique, c'est-à-dire créer le prêt pour les salariés manuellement, individuellement, pour créer le prêt, si c'est l'ensemble des salariés qui ont besoin de ce prêt, collectivement. Alors, ça concernera tous les salariés, mais la création manuelle consiste à accorder le prêt individuellement, et la création en masse ou automatique consiste ici à regrouper tous les salariés. Alors, on va commencer par la création manuelle. Pour cela, je viens dans gestion, et là où nous venons ici, prêt, comme vous voyez. Et voilà. C'est quelques salariés qui avaient commencé déjà à programmer. Je vais supprimer ceci. Voilà, je le prends pour vous. Voilà, ils avaient déjà commencé à gérer ces salariés-là. Ok, mais je peux continuer. Voilà. Ah, il est débloqué, 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 débloqué. D'accord. Alors, c'est ça, la paye, le problème de la paye aussi. Après. Voilà, bien. C'est pas mal. Alors, on va commencer à gérer. Et comme je viens de faire, excusez-moi. Là, vous cliquez sur gestion, prêt. Voilà, l'ensemble des salariés de l'entreprise vont se présenter. Comme vous voyez, on dit liste des salariés.
Vous avez le premier salarié, le deuxième. Alors, supposons que c'est madame, mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a la croix rouge qui s'est présentée devant ce salarié-là. Là. Pourquoi cette croix rouge? La croix, là, c'est un signe qui dit que le salarié est sorti de l'entreprise. Alors, on va vérifier la date d'entrée des salariés et la date d'aujourd'hui. Voilà. Et retenez que nous sommes en 2018, donc vous voyez là, cet exercice-là est un peu ancien. Voilà, c'est un exercice de 2017 que j'utilise comme ça. Pourtant, nous sommes ici en 2018. Alors, ça veut dire que le salarié, là, n'est plus dans l'exercice. Pourquoi la croix s'est présentée ici? Vous voulez maintenant qu'il soit dans l'exercice. C'est très simple. Voilà, et puis on va modifier ça très vite. On va aller là-dedans. On va prendre par exemple le 1er 2018. Voilà, cette modification, on va voir si ça peut changer très vite et puis continuer la gestion de ce prêt. Voilà. Et là, automatiquement, vous voyez, voilà, il est maintenant présent. Voilà. Le salarié est maintenant présent. Donc là, nous pouvons continuer. Alors, voilà. Excusez-moi. Donc, je clique sur gestion du moins. Gestion, prêt. Donc, je vais accorder le prêt à Madame Barry Asiato, le premier salarié. Alors, je double-clique. Alors, nous voulons accorder le prêt scolaire. Le prêt, là, c'est déjà accordé à Madame Barry Asiato. On va accorder un autre prêt. Alors, bien. Donc, le prêt scolaire, je vais accorder à Madame Barry Asiato. Je mets, par exemple, le code, l'intitulé du prêt. Prêt scolaire, bien. Alors, le type de prêt, c'est le prêt scolaire que nous voulons accorder à Madame Varia, surtout. Pourquoi? Paiement du frais de scolarité de ses enfants, peut-être. Établissement prêteur. Ah, je n'avais pas programmé l'établissement prêteur au niveau de la tabulation, au niveau de la programmation des tables. Je n'avais pas programmé l'établissement prêteur, mais je peux le faire à partir d'ici. Voilà. Je mets par exemple, voilà, EcoBank. Voilà. C'est cette banque qui va accorder le prêt, donc je prends EcoBank. Bien. Décision numéro. Voilà. Est-ce que c'est le premier prêt? Si c'est le premier prêt, par exemple, on met prêt scolaire numéro 1. Premier prêt scolaire numéro 1. La date de prise du prêt. Voilà. Je peux mettre par exemple le 26. 2018, voilà, le 26 2 2018. Alors, la garantie, voilà, je sélectionne la garantie. Bien, voilà. Donc je viens encore cliquer sur l'onglet description, le montant du prêt. Bien, le montant du prêt, il veut prendre combien? Retenez que la fourchette c'est de 1 million à 5 millions, mais supposons que lui il veut prêter 5 millions. Alors je mets 5 millions. Bien, alors la durée en mois. La durée en mois, voilà. Bon, chaque salarié a besoin en tout cas d'un temps maximum pour le remboursement d'un prêt. Vous savez que la durée que nous avons accordée aux salariés pour le remboursement de ce prêt, c'est 5 mois. Donc, est-ce que lui il va dire 3 mois ou 2 mois? Non, il va prendre le temps qui est maximum. Donc, le temps maximum, c'est qu'il va prendre 5 mois. Taux d'intérêt, ça veut pas dire que c'est obligatoire, mais tous les salariés souhaiteraient un temps libre pour le remboursement d'un prêt. Taux d'intérêt. Alors, le taux d'intérêt, est-ce que c'est combien de pourcents? Le taux d'intérêt, on va mettre par exemple le taux que la banque va prélever sur le prêt à chaque fin de mois. Donc, c'est, on va mettre par exemple 5%, surtout, c'est un exemple. Montant de chaque échéance. Alors, vous voyez, là, si le montant du prêt c'est 5 millions sur 5 mois, les 5 millions divisés par 5. Ça veut dire que le salarié doit rembourser pour chaque mois 1 million, voilà, trimestriel. Donc vous avez vu le montant a changé. Annuel, vous avez vu ça a changé aussi. Mais voilà, 5 mois, ça veut dire que c'est mensuel. Ça veut dire que les 5 millions divisé par 5 avec le taux d'intérêt de 5%, ce salarié doit rembourser à chaque fin de mois 1 million 12 534,6.
Date de la première essence, bien. Alors, si vous vous rappelez, la date du prêt, c'est le 26/2/2018. Le premier remboursement, comme c'est mensuel, ça sera le 26 troisième mois 2018. Bien, voilà. La rubrique de remboursement. Voilà. J'aurais en tout cas l'agréable plaisir de vous aider aussi à ce niveau. Comment créer une rubrique qui peut défalquer à chaque fin de mois de façon automatique le prêt qui sera prélevé sur. Voilà, le salaire de l'employé à chaque fin de mois. Mais je voudrais bien faire ça. Voilà. Sous la demande voilà, d'être voilà, des concernés. Si vous avez besoin en tout cas, de créer une rubrique qui peut défalquer à chaque fin de mois le montant sur le salaire de l'employé, là, je sais que. Sous votre demande, on pourra le faire bien. Alors, je clique sur l'onglet essentiel. Bien, voilà, excusez-moi, essentiel. Et là aussi, regardez automatiquement, surtout ceux qui ont suivi les cours que j'ai réalisés avec Sage Imo. Là-bas, vous avez vu le plan d'amortissement. La machine affiche, voilà, et la dépréciation du bien sur sa durée d'utilisation probable. Alors, c'est la même chose. Au fait, l'échéancier, c'est un tableau d'amortissement de la dette. Voilà, un tableau d'amortissement de la dette sur sa durée. Alors, regardez, comme la durée c'est 5 mois, alors le premier mois, l'annuité c'est, ça veut dire que le salarié doit rembourser 1 012 534 006. Le deuxième mois, la même chose. Troisième mois, la même chose. Quatrième mois, la même chose. Donc, c'est constant. Voilà, c'est constant jusqu'à l'amortissement de la dette. Bien, donc c'est ça les sciences et vous-même vous pouvez interpréter donc comme vous voyez là. Bien, alors je clique sur OK maintenant. Voilà, bien, OK, bien. Alors comme vous suivez, on dit que le prêt est non débloqué. Alors pour débloquer le prêt, retenez qu'il y a ce qu'on appelle aussi le déblocage manuel. Voilà, et le déblocage automatique. Le déblocage manuel, c'est pour un seul salarié et automatique, c'est pour l'ensemble des salariés. Alors, je vais, comme j'ai commencé par la création manuelle du prêt, s'agissant d'un seul salarié, alors je vais utiliser toujours le déblocage manuel parce que je suis en train de gérer le prêt d'un seul salarié, pas tous les salariés. Bien, alors, je vais faire un clic droit ici. Vous voyez, déblocage des fonds, je clique, déblocage des fonds. Alors, la machine vous demande, est-ce que le salarié veut débloqué par virement, par sec ou en espèces. Donc je vais supposer que le déblocage devait se faire par virement. Alors je clique directement sur OK. Voilà, on dit débloqué. Voilà, le prêt est débloqué. Bien, alors au cas de décès, lorsque par exemple le salarié voilà veut maintenant arrêter le prêt, lorsqu'il veut arrêter le prêt, comment le faire? Lorsqu'on veut arrêter le prêt, du moins parce que le salarié ne peut pas décider, mais nous pouvons décider. Voilà, soit par licenciement du salarié ou peut-être par décès ou par retraite anticipée ou pour le non-respect du paiement du prêt. Alors nous pouvons arrêter, mais comment faire? On s'appelle avec vous. Voilà, je ferme ça d'abord. Pour arrêter le prêt, c'est très facile. Donc regardez là, vous venez toujours sous gestion. Le prêt est là, le salarié est là. Voilà, le prêt scolaire qui a été débloqué. Voilà, et là, comme vous voyez, arrêt d'un prêt. Voilà, c'est clair. On clique sur arrêt d'un prêt et là, OK. Voilà. Prêt scolaire arrêté. Motif d'arrêt. On dit pourquoi vous voulez arrêter le prêt. Voilà, on veut arrêter parce que voilà. Et c'est une retraite anticipée. Je double-clique, c'est sélectionner la date d'arrêt. Date d'arrêt. Je suppose que c'est après la première essence. Voilà, c'est une supposition. Mais sinon, le lendemain, on peut arrêter. Je suppose que c'est le. Voilà, le 33e mois, 18/2018. Voilà. L'arrêt. Voilà. Décision d'arrêt. Donc, je vais mettre par exemple. Scolaire 1,
préscolaire aux 12, par exemple, voilà. Prise le, la date d'arrêt. La décision est prise quand? La décision, on arrête le prêt le 30, peut-être la décision est prise le 1er avril, le 1er, 4e mois, résultat, voilà. Ok. Automatiquement, vous voyez, c'est arrêté. Le prêt est arrêté. Voilà. Donc, c'est un peu la création manuelle ou la gestion manuelle. C'est-à-dire, vous voulez accorder le prêt à un salarié et ensuite, lorsque le salarié n'arrive pas à respecter la clause du prêt, alors vous devez arrêter le prêt. Et vous avez vu comment arrêter le prêt de façon manuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la gestion du prêt de façon automatique et il y a l'arrêt du prêt de façon automatique. Mais ça, comme je l'ai toujours dit, c'est pas un cours magistral, c'est juste une façon de vous aider un peu à peut-être ceux qui sont souvent ou ceux qui ont des problèmes concernant la gestion des prêts, c'est une façon de venir en aide. Donc c'est pas fini, ceux qui voudront maintenant voir la gestion automatique du prêt concernant pour plusieurs salariés et l'arrêt automatique du prêt, là vous pouvez adresser votre message ou peut-être que vous pouvez appeler ce numéro de téléphone. Là je prendrai un temps, voilà, pour essayer de vous satisfaire, car ce n'est pas un flux mais c'est juste un tuto. Alors vraiment vraiment retenez que c'est, voilà, ce n'est que le commencement. Il y a d'autres rubriques qui sont à aborder. Comme vous le savez, il y a la gestion des avances et des acomptes. Plus tard, il y a aussi, voilà, la gestion des carrières et autres, la gestion de la formation, la gestion du temps et tout ça. Mais il y a même aussi la comptabilisation des bulletins de salaire. Car vous savez que, voilà, au niveau de sa gestion commerciale, vous avez fait ce qu'on appelle la mise à jour de la comptabilité. Au niveau de ça, vous avez fait aussi ce qu'on appelle la mise à jour de la comptabilité, qui consiste à transférer les données commerciales, les données IMO vers la base des processus, ce qu'on appelle ça sans comptabilité, qui est le support de tous ces programmes-là, de tous ces logiciels. Alors, au niveau de la paye, c'est la même chose. Après l'exercice mensuel, vous devez ici transférer ce qu'on appelle ici la passation comptable, transférer toutes les écritures de la paye vers le fichier comptable. Vous pouvez le faire de façon manuelle, c'est-à-dire éditer les bulletins de salaire, imprimer ou éditer le journal de la paye imprimé ou encore le livre de paye imprimé pour remettre ici au comptable afin qu'il passe ici à la saisie des opérations comptables. Mais vous pouvez aussi faciliter en faisant ce qu'on appelle la passation comptable. Tous ceci sont à venir dans les prochains tutos. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de passer ce petit moment avec vous. Et retenez que, voilà, ce n'est qu'un début. Et toujours concernant, je ne peux pas recenser et je ne peux pas savoir tous vos problèmes, mais vous pouvez adresser vos messages sur mes adresses et peut-être appeler. Là, comme ça, je serai. Vous avez besoin de quoi concernant, j'ai dit bien, concernant les programmes du logiciel CIS. CIS, c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans la gestion de la comptabilité, que ce soit d'une entreprise ou d'une société. Alors, avec ces programmes comme CIS Comptabilité 100, avec la ligne 100, la gamme 100, CIS 100 gestion commerciale et immobilisation et la paie, trésorerie, caisse décentralisée. Alors, je suis toujours à votre disposition pour une bonne satisfaction et surtout une bonne satisfaction de vos besoins. Alors, à plus. Ciao. Merci.